Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. et bienvenue dans la playroom pour ce nouvel épisode de Starbound v1.1.1. Nous avons fini la euh, reconstruction du vaisseau. Je me suis rééquipé un petit peu, hein, légèrement. Euh, je dois vous avouer que j'ai euh, récupéré mon épée, mais j'ai, je l'ai triché. Euh, C'est-à-dire que je sais pas du tout. J'ai remis mes objets. Je crois que j'ai supprimé dans la. Parce qu'en fait, je crois que j'ai supprimé beaucoup d'armes en fait via euh via euh, le, comment le, le vide la, fin, le, comment le déménagement de la première pièce vous avez tout à droite là du, du pont euh, du coup euh, bah <laughs> j'ai dû supprimer aussi beaucoup d'armes bien au passage vu que j'ai pas retrouvé les miennes hein, pas du tout euh, du coup bah <laughs> et je fais avec hein. et du coup on s'est téléporté quelque part sur une planète de base euh, une planète de type jungle normalement de mémoire voilà c'est ça euh, donc, ça c'est bon, ça c'est fait. On va retourner donc à l'outpost. On va aller voir s'il y a des quêtes à y faire, des choses à y faire à droite, à gauche. Euh, pour la petite information, chers amis, j'ai contacté Chucklefish. C'est la première fois que, ce, que ça m'arrive, je crois, hein, directement. Euh, je leur ai demandé s'il y avait moyen d'avoir un, une, une version du jeu Vanilla, une version du jeu à dans euh, Steam. Euh, pour pouvoir faire une série modée sans perdre le contenu vanilla, parce que le jeu va continuer à être mis à jour et du coup j'aimerais pouvoir garder cette sauvegarde pour les mises à jour et euh, le reste pour. Euh... Bah, vous savez quoi. Euh, pour le, la, la suite. Euh... Enfin, avoir une autre version pour pouvoir faire du mod et du mod et du mod et modé à fond. Euh, apparemment, cet homme correspond plus ou moins au endgame sur certains points. Euh, par exemple, ceci apparemment il paraît que c'est une sculpture endgame. Ça aussi. Et il me semble que je l'ai en entier. On va retourner sur le vaisseau, on va aller la chercher. Il me semble que j'ai l'entier parce que vu que j'ai fait les tris, euh, je sais que j'ai plus ou moins normalement. Euh, je l'avais mise par là normalement. Voilà, je l'ai en entier. Hop, on retourne à l'arche directement. Pardon. Et normalement, on devrait pouvoir tomber dessus beaucoup plus rapidement. Hop, alors, Simone, qu'est-ce que c'est -ce que ça L'ancien bouquin des ruines. What the fuck Ça sert à quelque chose Uhum. Uhum. Ok, je sais où est-ce qu'on va. On va quand même regarder vite faire notre truc s'il n'y a pas... Le costume de moi, il me faut 10, 10, 10 doublons, donc ça me fait une bonne, une bonne cinquantaine, je pense, une bonne centaine de... D'accord, de... ghostly visage. Ça, je veux pas. Le costume de par moi, par contre, ça m'intéresse. <laughs> Hop, on va aller voir quand même par là. On va voir s'il n'y a pas 2-3 runes de placer à part endroit. Ok. De toute façon, il va falloir aussi qu'on se refasse tous les. Euh... D'accord, il y a zéro ruine en fait. Hein, bon, bah tant pis. <coughs> enfin, au niveau des ruines, il n'y a pas de. Bon d'accord. Il y a pas de texte du tout en fait. Je me suis fait eu. Bon, euh, on va aller voir pour les doublons. Je sais pas ce que vous en pensez. On peut peut-être se faire un petit costume de pingouin pour la base. Parce que c'est quand même Chucklefish, c'est quand même le pingouin de base hein, aussi. Hein, c'est pour, enfin euh, en tout cas pour ce qui est de Starborn. Euh, du coup on va récupérer nos diamants, nos diamants qui sont tranquillement rangés. Hein. Hop. Hop. Voilà. Hop. Nos diamants que j'ai rangés, non pas ici, mais un peu plus haut. Je vais les avoir tous fait, c'est cool. 41, on en a pas des masses, hein. Euh, au passage. Au passage. On a des choses à, à tester aussi dans le coin, là, par là. Euh, en l'occurrence, ça doit être ici cave detector, Et. Euh... Ce qui va être hors détecteur. Donc, 5 de tout, plus 6 copper wire, plus 4 AA batterie. Euh, 5 de tout, je devrais en avoir. Je crois que j'ai vu du Durasteel aussi quelque part, mais je sais pas si ça je vais en avoir, cela dit. Et ça m'inquiète. Euh, hop. Non, apparemment, je n'ai pas de Durasteel. Donc. Qu'est-ce que je peux faire avec tout ça? Euh, nanana, 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 nanana. Copper wire et 6AA batterie. Euh, il me semble qu'on peut les faire là-dedans. Non, c'est pas là-dedans. Copper wire, il me faudra du copper, forcément. Oui, t'es stupide, Marcus! Ah oui, c'est vrai. Faut que j'aie reperdu l'habitude. Hop!

Voilà et là ça marche. Parfait. Euh, normalement j'ai tout. Mais moi il m'en fallait 4. Ok. Euh, et on va pouvoir aller voir maintenant. Normalement ça devrait passer. Voilà. On a donc le hors le fameux hors détecteur. Hein, Qu'on va équiper dans notre inventaire ici. Voilà. Ok. On verra bien ce que ça fera. Euh, hop, euh, pour ce qui est du de l'autre truc, il me semble qu'il fallait du durastile. Et le durastile, j'en ai pas. Le durastile, j'en ai pas. Durastile, euh, durastile, il est ici. Il me faut du durastile or que je n'ai pas non plus. Euh, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter du durastile. Et maintenant qu'on a ce or détecteur, ça va être encore plus simple, je pense. Mais on va d'abord trouver la planète qui en a, forcément. Euh, le durastile, c'est quel niveau Apparemment, il y en a sur ces planètes. Il y en aurait une sur la mienne aussi ou pas Il Y en aurait sur la mienne. Eh ben écoutez, on va descendre alors. Hop, on va aller chercher ce style On va bien voir si on peut avoir donc le tout dernier équipement. Ensuite, on fera tout ce qui est fossile. Voilà pourquoi les raisons pour lesquelles je, je souhaite garder un petit peu. Euh... Euh... D'accord. Je vois comment ça marche. Hop. Regardez. Crac. Euh, je suis plus en admin en fait. Non, parce que je vois mon ma, fin, ma barre de faim qui. Parce que je l'ai enlevée aussi tout à l'heure, vous voyez. Hop. Ah ah! il y a plein de choses. Hop. Attends bien, moi qui voulais récupérer du poison. Ok, il y a du cuivre. Ah, ça marche pas si mal que ça en fait. On va descendre un petit peu pour voir si on peut pas une zone plus sympa. Ah, il y avait une espèce de zone bleue ici. Est-ce que ça indique Voilà, donc ça indique même le, le comment, le type de minerai que vous recherchez. Voilà, là j'ai du bleu, donc je sais que ça va être, hop, du durasteil. Hop, bonjour. Là, ce n'est pas bleu. Je ne, vois pas, je ne vois pas de bleu non plus ici. Toujours pas de bleu. Là j'ai vu un tout petit peu de bleu, voilà. De l'or. Falloir qu'on voit aussi ce que c'est que le diamant. Hein. Ah, là il y a du bleu partout. Oups, ça c'était pas prévu. il y a un tout petit peu de bleu aussi. Qui va lui aussi tomber. Non là, laisse pas tomber. Ok. Là il y a du bleu aussi à foison. Qui est lui aussi tombé. Et encore tombé... Ouh, du bleu à foison aussi là-bas. C'est au-dessus. Parfait. Ah bah c'est vachement pratique cette histoire. Par contre, il va falloir que je m'intéresse aussi à la bouffe. Très rapidement, vu que euh, je n'ai absolument rien. Tout a... Tout a grillé entre guillemets dans mon... Tout a pourri dans mon... dans mes... dans mes étagères. Littéralement. Faut que j'arrête d'être plus... Hop De l'or. Alors il va falloir qu'on repère les diamants aussi. Hein. Là c'est pas des diamants ça. Bon, je pense que niveau du Rastil on va commencer à être pas mal. Hein. On en a combien sur nous euh, 67. J'ai pas mal. On va remonter petit à petit. De toute façon, on a plein de choses à faire. Hein. Ok. Il va falloir qu'on s'occupe aussi des pets. Des différents pets, chers amis. Ça peut être sympa aussi. C'est pour ça vous voyez, il y a encore plein de contenu qu'on doit qu'on doit regarder. Peut-être qu'on est à la bonne hauteur. Oui, c'est bon, on est à la bonne hauteur. On peut remonter. Il y a encore plein, plein, plein de contenu dans ce jeu. Et il faut vraiment qu'on s'y intéresse, je pense. Il va y avoir de la construction au niveau des tenants. Donc les, comment, les, les, colo les colons, littéralement, pour nous. Euh, il va y avoir plein de choses encore à, à tester. Euh, ça va être ici. Hop. Crac. Voilà. Alors je suis désolé, j'entends encore mon. Ça m'embête en plus. J'entends encore euh, Gold Bar et AA batterie x4. D'accord. J'entends encore des choses autour de mon... au niveau de mon PC, ça m'embête. Euh, gold bar, c'est bon. Crac. Cave detector, on l'a aussi. On peut donc le placer à la place du euh, hop, poison. Voilà. Euh, bah, on peut mettre les deux l'un à côté de l'autre. What? C'est cheaté à ce point Donc si je fais ça, Ouh Ouh Ça va être sympa cette histoire. Je le sens bien. Hop, clic droit ici. OK, je vais ranger un petit peu mon bordel ici. Ça te sens pas mettre de minerai Hop, hop. Voilà. Les minerais, ça va là. Toujours trier vos trucs, chers amis, hein. c'est 100 fois plus simple une fois que c'est trié. Ça c'est les armes de lancer. Les os ça va être en dessous. Voilà. Crac et on est bon. Ok, donc on a fait ces deux petites choses-là. Euh, tout ce qui est fossile maintenant. Master fossile faut une gold bar, deux timber et trois strings. D'accord. Euh, le timber, je vais peut-être l'avoir un peu plus haut. Euh, strings, j'ai dit strings. Ah Ah Peut-être que je vais pas l'avoir alors. Tiens, qu'est-ce qui est arrivé à mon épée Qu'est-ce qui est arrivé à mon épée Elle est là. Je sais pas ce qui est fou là, cela dit, mais elle est là. Euh, hop Ok. Qu'est-ce qui va pas C'est des strings, c'est bien ça. Pour les strings, je vais devoir aller les chercher là-bas. Hop. <laughs> Il monte avec moi. <laughs> si ça, c'est pas cool. Euh, hop. Euh, J'ai normalement rangé un petit peu de trucs ici. Hop, string. Hop. Vous voyez, quand c'est rangé, c'est quand même beaucoup plus simple. Hein. Je veux pas dire, mais quand c'est rangé, c'est 100 fois plus simple. Ok, on est bon. Hop. D'accord, donc faut que je tienne la main, le toucher espace euh, obligatoirement. D'accord, pas de soucis. Euh, on était ici, c'est là. Hop. Master. crack On a donc un nouvel outil, ce euh, truc-là. Euh, on va plus qu'aller faire un tour dans le. On va ranger quand même notre or, hein, tout ça. Notre barda, hop. Euh, c'était là-haut, non Je sais plus. Oui, c'était là. Hop, crack. Hop, voilà. Et les strings ici. Euh, normalement, il y avait aussi euh, un petit truc, non, avec Je sais plus. Non, ils sont là. C'est bon. Ok. Bon, bon, on descend. Maintenant, on va aller chercher un petit peu les fossiles. On va voir comment ça marche. Désolé pour ma chaise, chers amis. 4. Euh, normalement, là ça va être épique. Donc toutes les parties bleues, c'est le vide. D'accord. Hop, j'ai plus les trucs qui permettent de m'agripper au mur. On va descendre. Oula y'a de la vie. Boum. Merci pour le cuir. Alors je sais pas si je peux repérer les fossiles avec ça. Je pense pas. Hein. Ce serait un peu trop cheaté. Ah là là, il y a du poison partout. La 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 schtroumpf la la, la 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 la. Ah par contre je dois avoir plus de chance d'en trouver dans ce genre de biome. Allez, voir papa. Hop, voilà, merci. Euh, par contre je commence aussi à avoir la dalle j'ai la dalle. J'ai pas pensé à prendre quoi que ce soit. Ah, Vous voyez là par exemple il y a un truc. Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ok. Ah oui d'accord, je vois. Je vois comment c'est censé marcher. Ah, ok. Ah, je les ai cassés Oh, je crois que je suis en train de comprendre. D'accord. Et... Ok. D'accord, ça m'a pété ma brosse sur le cou. Ouh là là Ah oui, il va falloir avoir des milliers de brosses sur le... Sur soi, quoi. Alors ça, c'est un peu plus naze que prévu. Sauf que je vois pas énormément d'intérêt. Ni l'intérêt, ni le fonctionnement, on va dire même, je devrais être honnête. Euh, je vois ni l'intérêt ni le fonctionnement réel. Faut faire tomber les trucs, ça j'ai compris. Faut pas taper dans la terre avec les. Comment Les Les objets qui cassent la pierre, ça j'ai compris aussi. Mais alors, pour le reste, euh... c'est assez complexe. Euh, Est-ce qu'il faut en avoir des millions et des millions Parce que dans ce cas-là, c'est un peu naze. Parce que à crafter, ça va être chiant. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Enfin, bon. Euh bouf. Bouf bouf bouf. Manger manger manger. Oui, je sais, j'ai la dalle, oui, enfin, j'ai bien compris. Hop, euh, ça c'est les graines. Manger. C'est bon. Hop. Voilà. falloir que je cuise trois choses par contre, je pense. Hein. Hop. Euh, un petit peu de riz. Et un petit poulet. Va falloir qu'on s'intéresse aussi un petit peu à la cuisine, je pense. Hein. Soyons honnêtes. D'accord. Bon, bah je pense qu'on va aller chercher un petit peu de tout ça. C'est très très bon en vrai ça. Hein. Euh, y'a pas du riz au lait ou un truc dans le genre Bien sûr que non. Moi j'aime bien le riolet. C'est bon le riolet. Le. qui dit Nuts and Bolts, non plus. Ok. Du saké l'alcool de riz Non plus Tant pis. Bon. Euh. Y'a de quoi bouffer là par contre Y'a de quoi bouffer. Bon bah voilà, on va peut-être s'intéresser à la bouffe aussi prochainement. On verra. Voilà, j'ai un petit peu de bouffe sur moi maintenant. C'est cool. Euh... Peut-être qu'on va s'intéresser aussi à, sur le fait d'avoir tout le temps sur nous un feu de camp. Euh, ça, il va falloir le faire aussi, je pense. Euh, nanana, et une torche. Ça, clairement, je pense qu'il va falloir qu'on s'intéresse. Euh, sinon, pour tout ça, normalement... C'est bon. Ok. Eh bien écoutez chers amis du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens et yo